Les entreprises américaines, les firmes multinationales, ils ont pris l'argent, ils ont investi en République dominicaine. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils ont besoin de monde qui travaille à bon marché pour eux. À prix qui bat. Maintenant, qui ça a fait en tant que stratégie de pénétration du marché? Yo fait des pressions sous ça yo relé l'État dominicain. Les yo fait pression, si y a vinn avec des milliards de dollars pour investir dans l'économie, c'est normal. L'État dominicain pas suffisamment de main-d'œuvre qui pour faire travail ça. Maintenant yo injecté l'argent ça dans plusieurs secteurs, parmi lesquels ou bien secteur touristique là. Côté que secteur touristique de service, côté dominicain yo à Dominique, nous plus envie de travail, parce que dans le secteur, ça, y a le travail, y a pas dû. Vous comprenez? Nous mettons mesdames et messieurs. Mais, dans le secteur agricole, yo, dans le secteur côté des matières premières pour mon travail, Dominique, yo, pas voulu faire travail, ça, yo. Alors que, bien entendu, il y a des entreprises agroalimentaires qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis, qui viennent investir dans l'agriculture, dans l'économie agricole. République dominicaine, c'est normal, il y a besoin de main-d'œuvre qui pour travailler. Dominicain, hein, en quelque sorte, les plus intéressés dans le secteur du service là. Côté dans le tourisme, dans la question de service, dans secteur du service. Mais, puisque bon carence pour l'État dominicain, pour le capable d'absorber demande de main-d'œuvre, que entreprise occidentale yo mandé à cause du libéralisme, à cause de sa relais mondialisation. Maintenant, pression fait sous gouvernement dominicain, ok, pour le baisser, pour l'empêcher, mini, ralentir sous contrôle, ralentir sous contrôle, qu'a fait, yo. Bah, est-ce que nous, bien, nous, suivons bien, contrôle transfrontalier, yo. Et puis, pour faciliter, haïtiens, on va à le travail en République dominicaine. Maintenant, faites attention. Puisque situation, ça, vient mettre Haïti dans une situation extrêmement difficile, n'est-ce pas qu'il y a un choix que vous-même aussi, vous devez aller à l'investir en République dominicaine. Faites attention à ce que je dis là. Nous connaissons position par rapport au miracle aussi au Libanais. Maintenant, puisque le libéralisme économique, le néolibéralisme économique imposé par les États-Unis, par l'Occident, sous pays tant que Haïti et République dominicaine, maintenant, faites très attention. Niveau de concurrence là, entre Haïti économie Haïti et économie République Dominicaine, non? Li pa ka kembe pour Haïti, li pa faveur Haïti. Ceci étant dit, monsieur Mulat si au Libanais qui gen kòb nan men yo, puisque concurrence nan pa nan avantage yo, ki sa yo fait? Il a investi yo même en République Dominicaine. Et a dit yo suivre courant libéralisme économique, là. Yo suivent démarche libéralisme économique, là. Au lieu yo investi dans l'économie, hein. Et yo pas kakimbe au niveau de compétition par rapport à la République dominicaine, ça yo fait yo préférer prendre l'argent, yo y a investi en République dominicaine, même gens que les États-Unis, les grandes entreprises américaines, yo fait. Maintenant, en termes de, idées, en termes de investissement étranger, la République dominicaine vient tourner au réservoir pour recevoir l'argent, capitaux étrangers pour capable faciliter croissance et développement économique. Maintenant, gros problème qui pose. Si la République dominicaine recevoir toute l'argent, ça y a pas investi dans l'économie, hein. Maintenant, gros carence en main-d'œuvre. Maintenant, on va l'assister avec l'effondrement de la production nationale en Haïti puisque pas de bourgeoisie qui a investi dans le pays, puisque blanc, entreprise, étrangers ont choisi d'investir en République dominicaine. Faut comprendre bien.
Lorsque l'Occident a choisi côté le pral mettre comme pour investir, il a choisi économie République Dominicaine pour y porter capitaux. Et c'est une des raisons qui fait que pays occident yo ça fait yo très difficile pour bail dominicain visa. Et moi dis ça va dire à bien. Yo très très difficile pour bail dominicain visa. Ni la France, ni le Canada, ni les États-Unis, yo rangé quoi yo pour bail dominicain visa pour qui raison parce que yo investi en quantité l'argent dans l'économie dominicaine là. Des fois, yo pa gen intérêt pour yo ouvrir porte pour dominicain vin envahi. Maintenant, tendez bien ça qui passe. Yo pa fait choix ça pour Haïti. Raison qui fait yo pa fait choix ça pour Haïti, c'est parce que en réalité, yo dit haïtien son peuple qui indiscipliné. L'état haïtien toujours en crise. Maintenant, yo choisi la République dominicaine comme paradis. Maintenant, mais yo besoin main d'œuvre. Yo dit même les nous pas qu'à investir en Haïti à cause de crise politique, mais n'a besoin de d'œuvre haïtien. N'a besoin de paysans haïtiens qui pourra travailler en République Dominicaine, à faire job salio pour faciliter, ok, profit pour entreprise occidentale. Maintenant, yo pote l'argent en République Dominicaine, ok, yo mette capital financier à l'autre bois. Côté l'argent, il y a, haïtien a bindel. Effectivement, yo fait pression sur gouvernement dominicain pour gouvernement dominicain laisser douane ni ouvri, frontière ouvri et puis haïtien pote boue. Les haïtiens rive l'autre bois. Haïtien a travail, pas de travail en Haïti, yo crase production nationale, la pas d'investissement qui fait en dedans pays d'Haïti. Haïtien pote boue en République Dominicaine. Les haïtiens pote boue en République Dominicaine, y a le travail. Qui est-ce qui bénéficie? C'est deux pays qui bénéficient. C'est l'Occident, c'est-à-dire les entreprises multinationales qui investissent capital et puis qui fait des profits à travers l'exploitation des tinègues, des graines qui travaillent dans Baté, qui travaillent dans Chankan pour capable faciliter et profit pour l'entreprise. Et puis, mes chers amis, qui le calcul n'est-ce pas? Mais où est-ce que passé? Ça l'a fait, même les, nous va investir en Haïti, n'a facilité haïtien yo, immigration yo, pour yo capable quitter pays yo, pour yo venir États-Unis. T'as bien ça va dire là, son bagage qui calculé très très bien. Ou pas besoin de faire grandes études pour comprendre ce qui a passé là. Maintenant, faites très attention. Phénomène, ça m'a parlé de Léa, la libéralisation économique, surtout dans la question de privatisation. Parce que l'État haïtien, c'est un problème majeur pour privatiser. L'État haïtien va jamais privatiser. Nous prenons ces deux régimes, la valation qui va privatiser l'ensemble des entreprises de l'État. La Aristide va baisser tarif douanier dans le pays pour payer envahir avec production dominicaine. Parce qu'en réalité, c'est ça lié. Puisque l'entreprise américaine ou canadienne a investi en dedans en République Dominicaine. C'est normal pour Haïti tout nous déboucher pour écouler marchandises pour la République Dominicaine. Peut-être que ça Aristide fait. Il fait pression sur Aristide à travers et Banque mondiale FMI. Et puis s'entendez à la régime la malasse là, qui ça le fait, lui baisser tarif douanier. C'est-à-dire que lui descend taxes. Sur question importation. Taxe a tellement baissé que tout pays a envahi à manger dominicain. À produire dominicain. Parce que taxe a baissé. Pendant ce temps, République Dominicaine qui met taxe liée à bien haut. Tenez bien ça m'a dit là. Qui conséquence yon politique de libre-échange qu'on a gagné? Li pas en faveur Haïti. Li pas en faveur l'État haïtien. Raison qui fait Aristide Lavalas fait bagage ça, c'est parce que au lieu que yo accepté yo rangé corps pour créer stabilité politique pour que investissement étranger vienne fait dans l'économie pays là, t'aime bien ouais. Bourgeoisie haïtienne
tellement paré mes concurrence pour blanc vini vini investi dans l'économie. Qui ça n'est pas fait? Yo préf bourgeoisie haïtienne dans milati au Libanais yo préféré t'as dit bien réduit toi tarif douanier yo à investir en République dominicaine et puis importer marchandises dominicaines pour venir vendre en Haïti sans que Haïti pas produit. C'est ça fait balance commerciale nous avec les avec la République dominicaine toujours déficitaire, balance commerciale nous avec les États-Unis toujours déficitaire parce que c'est importer, nous gros bourgeoisie qui choisit importer en même temps la importer marchandises mais en même temps tout la investir en République dominicaine pour capable produire en République dominicaine et puis importer en dedans pays d'Haïti. Qui garantit yon gen ki marchandises yon importer en Haïti yon avant, yon connaît que haïtien haïtien a couru quitter pays pour aller travailler en République dominicaine, pour aller travailler Chili, Brésil, pour aller travailler États-Unis et puis voler l'argent. C'est-à-dire que bourgeoisie haïtienne fait un calcul sous dos diaspora qui a volé 4 combien milliards de dollars chaque année. À comme ça, yo marchandises que yo importé en République dominicaine yo ka vendre avec petit peuple. Haïti peuple a gen comme diaspora nan men. Maintenant on aime bien côté bagarre la problématique. Et c'est pas seulement peuple qui victime, même l'état haïtien victime pour qui raison. Nèg yo tellement mafia bourgeoisie haïtienne nan tellement mafia. Milati au Libanais yo tellement mafia. Non seulement y a investi l'argent yo en République dominicaine, mais yo décidé pour l'état haïtien craser tarif douanier, craser frontière li pour marchandises qui rentrent dedans pays, marchandises dominicaines va y pays. Yo prend contrôle tout douanier. Non mais l'état chaque nèg prend contrôle douanier, chaque bourgeois, chaque milati au Libanais prend groupe douane yo teke. Et puis qui ça au fait? L'État n'a pas qu'à entrer taxe. Puisque tarif douanier a baissé, l'État n'a pas qu'à, en quelque sorte, taxer, j'en ai supposé taxer, produits qui sont en République dominicaine. Des fois, l'État, au niveau DGI et au niveau douanier, perdit un paquet d'argent. L'État n'a pas qu'à entrer l'argent. Pour qui raison? Parce que l'économie est écrasée. L'économie nationale, pays d'Haïti, écrasée. Pas d'investissement, pas de production nationale, c'est importer. Ou t'as dit, ok, y a importé marchandises. Non, marchandises n'a pas importé. Nous t'as taxé et République Dominicaine. Et puis l'État t'a entré comme. Non! Y'a pas capable. Qui ça n'est pas offri, peuple là? T'as dit bien. Qui ça offri? Y'a offri l'exil. Y'a crasé l'institution. L'hôpital. Yo craser toute sanitaire de quoi pour petit peuple pas jamais gain goût pour retourner dans pays pour le pré-exil.